Le 16 juin 1900.
Ça a été proposé à la ville de Lourdes en 1897. Elle y avait eu son intérêt, ça ne coûtait rien. Elle a apporté juste l'intérêt. Ça a été voté en conseil municipal sous forme de concession. Les travaux ont vite commencé. Et dans le projet, bien sûr, il fallait la production d'électricité, donc il y avait deux usines hydroélectriques qui fonctionnent toujours. Et vous en avez une là en bas, la maison qui est au bord de l'eau. Tant qu'il y a de l'eau, ça va. Il y a un trou, ça. Oui, mais ouais, flotte un peu. La roche, là, c'est du gris, non? Non, c'est du giste. C'est, en fait, c'est très calcaire. Donc ça s'attaque facilement quand même. Ça ressemble, mais ça se désagrège plus que le gris est plus dur. Il n'a pas les mêmes origines. Parce que le grès c'est une roche de profondeur. Et vous voyez, si vous voulez en faire, il faut leur même équipement que. C'est du motocross sans moteur. Et surtout ici, ça n'a rien à voir avec quelque chose de familial. Voilà. Nous, on est des angles familiales, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a une piste là-bas. Des angles, pareil. Ils font les championnats de France, c'est bien. Parce que là, on l'a ici. Le Coupe de France, c'est l'Olympique du Gers. Il y a deux ans, l'année dernière, Oui, c'est la Coupe du Monde. Oui, c'est pareil. On est à 1h30, voilà.